Nous, jeudi 18 juillet 2024, nous comptons rentrer la caille nous dans les SA pour nous capables venir informer nous de ensemble point cap dominer actualité. Bon la caille pas nous avec l'autre bord de l'eau, mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer dans le journal là. Premier ministre Garry Conille annoncé opération pourquoi Pénéga Examio a commencé pas trop longtemps dans le pays. Dans l'idée pour qu'ils soient capables de mettre un fait avec M. Axamio, cap théoriser population haïtienne. Et puis, il y a Guichard Chéri qui est installé jeudi comme administrateur dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Il remplacé dans le poste Paul-Henri Joseph. L'autre information dans le journal, il y a Lionel Lazare qui lui-même remet démission comme coordonnateur général SINAPOA. Eh bien, un syndicat national policier haïtien gagné pour faire choix de l'autre coordonnateur général pour capable mener un syndicat. Nous pour aller l'autre bord de l'eau pour nous louer information qui gagnait l'autre bord de l'eau. Eh bien, gagné un guerre qui gagnait entre pays Israël et Hamas. Côté que gagnait un président de la Commission européenne qui déclarait, eh bien, devant le Parlement européen jeudi, que eh bien, ben sans ça, doit suspendre parce que trois personnes déjà perdu la vie pendant la guerre qui a gagné entre pays Israël et groupe Hamas. On a rappelé une guerre qui a gagné 10 mois depuis l'été déjà a commencé. Point ça, avec plaisir, les autres a gagné pour nous développer dans le journal là. Merci pour la présidente. Une autre fois encore, on a salué tout le monde qui est déjà connecté. Bienvenue dans le développement journal. On a démarré le journal avec un dossier politique, mais qui est pour avec sécurité. Il y a le Premier ministre haïtien, Garry Conille, qui lui-même, dans un message que lui adressé avec la nation haïtienne hier mercredi, dans la soirée, le Premier ministre lui a annoncé que l'examen dans la zone métropolitaine pral démantelé, il était profité pour être capable de faire bilan sur les dégâts que M. Axam a même causé dans le pays. Eh bien, chef gouvernement lui réitéré engagement pour être capable de mener la paix dans la zone métropolitaine. À qui ont parti dans le département de la Tibonite. Opération yo pral mené dans une zone qui contrôlée par les examens, qui bat tête yo non vivre ensemble, d'après ça que Garry Conille li annoncé dans un ton très calme, mais avec un pile détermination. Selon le Premier ministre, conséquence action bandit yo est calculable, yo tué, yo violé et yo prend possible, mesdames yo ak timoun yo, d'après ça que le Premier ministre a déploré dans message à la nation là, l'ité mettait accent tout sous blocage chaîne approvisionnement qui causait eh bien un désastre humanitaire dans le pays sans pas oublier Timounio qui privé de l'école en raison de situation terrain qui gagnait dans le pays que nèg examio même yo mettait situation ça avec désastre ça. Eh bien, nous devons poser une action rapide et une action décisive. Nous pas permettre pièces bandits continuer pour capable prendre en otage capitale ni département de la Tibonite ni pièces de l'autre côté. Eh bien, dans le pays, d'après ça, le Premier ministre Garry Conille, eh bien, déclaré pour nous capable mettre sécurité à Claude dans le pays, nous devons eh bien prendre un ensemble de mesures. Et mesure ça yo doit être très direct toujours d'après chef primatien pendant que l'étape adressée devant la population faut nous dit gagner 14 communes dans l'ouest et dans la Tibonite qui ciblé par état urgence que Premier ministre eh bien état parlé qu'on y a mandé pour que yo capable tendre consigne pour que yo capable agir pour capable garantir réussite opération contre bandio qui t'a dû mener pas trop longtemps. Le Premier ministre a annoncé qu'il y a plusieurs restrictions eh bien, pour les journalistes et il interdit ensemble avec les médias pour qu'ils soient capables de bailler information qui permettent bandio prend eh bien
avantage sous force l'audio. Éviter et réaliser reportage dans direction eh bien force l'audio, reportage en direct ou bien en différé, d'après ça que le Premier ministre lui-même l'a déclaré, ça va permettre ensemble avec gang yo même gagner une position en force l'audio, une façon ou bien une autre côté que opération lui-même l'a déroulé. Avant pour le mettre en fait ensemble avec messager, Gary Conille m'a dit une autre fois ensemble avec Mandio pour yo déposer zam et pour yo capable rendre tête yo à la justice pendant le fait appel ensemble avec population pour continuer à collaborer avec force l'audio. C'est ça qui permet la libération à pays. N'a pas quitté information concernant Gary Conille pour que nous capables à louer yo l'autre information. Mais cette fois-ci, c'est pour nous capables de parler de démission dans une lettre qui portait date 15 juillet 2024, qui adressée ensemble avec le secrétaire général syndicat national policier haïtien, SINAPOA, n'a parlé de Mathieu Ni Sidel. Eh bien, il y a Lionel Lazare qui annonçait démission lui en tant que coordonnateur général. Eh bien, SINAPOA, décision ça, lui prend, pendant que moi réfléchis en pile, c'était une décision qui pas facile pour me prendre, d'après ça que eh bien ancien coordonnateur général Sinapoua a déclaré. Moi pensais que le moment arrivé pour que moi capable lever l'autre défi et pour me capable explorer l'autre opportunité qui gagne en vie, d'après ça Lionel Lazare a déclaré. Lui mettait en avant eh bien plusieurs réalisations pendant mandat en tant que coordonnateur général, il témoignait engagement envers le syndicat. Lionel Lazare lui exprimait profonde gratitude li avec tout membre syndicat pour soutien à la collaboration pendant mandat et il soulignait que conviction que Sinapoua a continué à jouer un rôle crucial dans défense droit avec Mamblio. Moi, j'étais profondément attaché avec mission en syndicat et je vais continuer pour te soutenir et forme pour capable améliorer les conditions de travail membres Sinapoua. Moi, engagé pour assurer une transition en douceur et pour me capable coopérer avec moun qui pral remplacer maintenant. D'après ça, eh bien, Lionel Lazare a déclaré. Cependant, il y a une information qui indiquait que Lionel Lazare n'a pas pour le capable venir porte-parole en après police nationale d'Haïti. N'a pas quitté information qui est pour la sécurité. Cette fois-ci, nous parlons information dans l'éducation. Eh bien, il y a installation Guichard Chéri qui vini administrateur dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Installation qui fait mardi 16 juillet 2024. L'an, li remplacé dans pour ça Paul-Henri Joseph. Li promet pour le capable mettre eh bien compétences liées au profit de l'enseignement haïtien. Eh bien, un ministère qui a fait annonce ça mardi 16 juillet 2024. L'an, et installation qui était présidée eh bien par directeur général ministère, n'a parlé de docteur Méniol Jeune. Docteur Méniol Jeune, t'es profité occasion pour te remercier. Administrateur sortant, n'a parlé de Paul-Henri Joseph pour 2 années et demie service li ak expertise li nan gestion dossier financier ministère. Li te profite exprimer gratitude li avec Sony Aimé qui s'est adjoint nan direction affaires administratives nan ministère et puis ensemble un personnel entité ça. N'a pas rappelé monsieur Chéri gagner une maîtrise dans gestion en politique économique dans l'université Auvergne-Clermont-Ferrand en France. Li gagne un diplôme études supérieures dans administration financière, école normale administration financière, et puis li gagne une licence dans administration Institut national administration de gestion et haute études internationales INAGE et l'IEC membre l'ordre comptable professionnel agréé en Haïti depuis 2017. Installation Guichard Chéri
li marqué yon commencement dans nouveau chapitre pour ministère éducation nationale ak formation professionnelle. N'a fon coup de pied l'autre bord de l'eau, nous pralé dans pays Israël pour nan wè gros conflit ça qui gagne entre Israël ak Hamas, yon conflit qui gagne 285 jours. Eh bien gagne vice gagne président Commission européenne nan qui fait une déclaration côté que li fait connait eh bien Benson nan Gaza doit camper rapide vite n'a rappelé présidente commission européenne nan fait déclaration ça devant parlement européen qui était réuni à Strasbourg côté que eh bien madame Ursula von der Leyen a déclaré Benson ça doit camper rapide. Autorité Amasio annoncé jeudi hein, que gagnait plusieurs dizaines eh bien qui est frappé avec missile c'est des corps qui gagnaient en pile réfugiés là-dedans et bien gagnait l'armée israélienne qui fait qu'on est jeudi hein, que yo éliminé commandant force navale jihad islamique là on a parlé de commandant chef ça qui lui-même éliminé et puis gagné un groupe Negaxam qui s'est allié à Hamas qui éliminé tout dans ville Gaza et ajouté que il a poursuivre ensemble avec opération yo dans Rafah côté gagné plusieurs entrées et tunnels et yo localisé plusieurs terroristes et bien que yo déjà éliminé gagné ministère santé et bande Gaza qui administré par Hamas annoncé que gagné un nouveau bilan et bilan ça c'est 38848 moun mouri dans territoire palestinien depuis commencement guerre avec Israël. Désormais yon guerre qui gagné gagné 10 mois depuis que gagné un pile coup de balle un pile missile capturé entre Israël ak Hamas. C'est ensemble un point que nous te gagné pour nous te capable développer pour dans un journal là nous te prend pile plaisir pour que nous te capable porter pour vous. N'a invité rester connecté puisque VOA Creole a continué ensemble avec reste journal là. Dans Milwaukee, candidat pour vice-président, sénateur J.D. Vance, a bien pour introduire ancien président Donald Trump dans discours d'acceptation. Nous sommes sur place, Valérie Saint-Louis. Toujours ici aux États-Unis, président Joe Biden, qui gagne COVID, campé campagne dans un moment de division, a continué dans le Parti démocrate là, sous candidature. Et puis dans le pays d'Haïti, premier ministre Gary Coney déclaré état d'urgence sécurité sous l'ouest à Clatibonite dans un discours qu'il mettait devant la nation hier mercredi. Moi c'est Valerio Saint-Louis depuis ville Milwaukee dans l'État Wisconsin. VOA Creole sous place pour porter baou reportage, actualité, information sous convention nationale Parti républicain. Restez branché pour toute dernière information. Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis Milwaukee. Et oui, n'a pas rejoindre Valerio Saint-Louis depuis Milwaukee dans l'État Wisconsin. Jodi a son gros jour dans cadre convention nationale Parti républicain cap clôturé. Cap clôturé Jodia, eh ben nous pour aller rejoindre Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, Jodia t'a coûté dit c'est le clou de convention. Dis-nous non et qui ça gagné dans soirée à Jodia. Nous connaît que gagné ancien président Donald Trump qui gagne pour prendre qui capable prendre la parole Jodia pour clôturer et convention. Dis-nous non, parlez-nous de programme dans Jodia. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde qui branché. Depuis Fiverr Forum, à dedans ville Milwaukee, à soir, Jacqueline, c'est clôture, la grande clôture. D'abord, femme du Kedé, dominant là, depuis le matin, c'est plusieurs personnalités, plusieurs artistes, tout, qui a répété ce qui va le passer à soir. Donc, il va le mettre le paquet, Parti républicain va le mettre le paquet pour faire et grand décacheter ça. Donc, a dit grand final, ça, nous dit plutôt clôture, ça qu'a fait. Alors, l'ancien président Donald Trump, il va le faire discours d'acceptation, nomination, il comme candidat à la présidence. Nous déjà connaissons que c'est le clou de la soirée, le clou de convention ça même. Devant rentrer et stadium là, faut nous dire, nous remarquer qu'il semblerait que sécurité a déjà redoublé parce que nous avons beaucoup plus d'agents et notamment des agents qui montaient sous bicyclette. Nous avons une vingtaine d'années qui ont fait le tour de l'entrée principale là, bien qu'à côté du côté gauche de stadium là, nous avons tout, une ou deux monde qui gagnent des pancartes, notamment mon pancarte et un monsieur qui était Kébé Namel qui dit voter Trump c'est voter et projet 2025. Bon, monsieur qui dit voter Trump et qui n'est pas bon pour l'Amérique. Enfin, des mondes quand même qui est très, pas un pile monde, deux ou trois mondes, mais
mais devant entrée c'est système sécurité ça qui établi me penser en sécurité qui redoublé pour assurer qui c'est la grande clôture mais derrière dans là Jacques et penser que délégué tout le monde paré pour gros soirée ça qui pral ouais justement ancien président Donald Trump parler et n'a précisé que c'est première fois Jacques que le pral font discours de envergure ça il pral parler devant délégué en public après et attentat assassinat ça que tu fait contre lui week-end passé à Jacques. Et Valério, pendant la convention, ça, et en général, c'est et toute grosse activité, c'est le soir au fait. Mais pendant un moment, ça n'a pas parlé là. Qui ça gagne? Qui j'en sécurité a et qui j'en circulation a fait dans la convention même? Circulation très difficile en dehors périmètre et stadium, dans côté convention a déroulé. Mais là maintenant, nous avons dit c'est de temps en temps, il y a des gens qui paraissent sur le podium, qui ont fait des mises au point pour son, lumière, et tout est souvelé, arrangement, c'est ce qu'on a fait pour assurer. Et puis, évidemment, il y a un média qui là, un grand nombre, par contre, si vous doublé pour assurer, mais nous avons une quantité de médias qui déjà a pensé, ouais, si vous êtes capable de positionner, puis vous capturer le moment, ça, Jacques, après le passé assurer, au moment que pile mon apton, parti républicain, j'aime c'est dit tout à l'heure, là, m'a répété pour me dire que vous parlez puis vous mettez le paquet à Souéa. Et puis, si vous permettez, Jacqueline, d'aller dans la programmation à Souéa, une programmation quand même très achalandée, gagner un programme qui pourrait le présenter. Surtout que thème n'a retourné encore une fois. Thème qui est censé, c'est thème que Donald Trump lui-même choisi, c'est thème préféré. Il retourne avec elle pour clôturer la convention. Ça. C'est Make America Great Again. Donc, c'est thème ça. Donc, fait Amérique, rend America plus grand encore une fois. C'est thème là qui, évidemment, pourrait le développer par plusieurs. Leader, même parti républicain qui va le défiler sous podium. Non, mais ça qui est intéressant dans la programmation, Jacqueline Fomdjo, il y a des monde qui est intéressant. Il y a des noms des titres qui sont faits, des monde, des personnalités qui sont représentant Richard Hudson, qui est président du comité national pour le congrès républicain, qui lui-même, évidemment, après la parole, c'est le parti républicain qui a l'honneur à Souéa. Nous joignons Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État, pasteur Lorenzo Sewell. Nous avons Alina Haba. Alina Haba, c'est un avocat qui fait partie de l'équipe Donald Trump qui a défendu, nous songer dans la Cour Manhattan. Les l'État en face et la justice américaine dans la Cour de New York. Nous gagnons une personnalité publique de la télévision, Tucker Carlson, qui lui-même, c'est fondateur Tucker Carlson Network, qui a pris la parole tout. Hein. Nous voyons que des personnalités connues. Et puis voilà, une personnalité de sport qui est très connue, puis monte qu'on est Hulk Hogan, qui c'est un lutteur et qui était très connu à l'époque. C'est un artiste, un professionnel lutteur qui prend la parole lui-même tout. Franklin Graham, président directeur général Billy Graham, ou évangéliste, qui prend le parler tout. Et puis Dana White, qui c'est PDG Ultimate Fighting Championship. C'est comme si avec Hulk Hogan, avec Damsa qui a la tête UFC, qui c'est une association sportive de combat, il voulait peut-être, hein, certains observateurs disent qu'il voulait peut-être dans son message que Donald Trump, son combattant, son aigle qui gonne goumet et son aigle qui certainement vaillant. Et puis finalement, petit garçon, Eric Trump pral parler et la personne en question, l'ancien président Donald Trump, pral accepter nomination comme candidat parti républicain, Jacqueline. On soirée vraiment bien achalandé. Yo paré à Souéa là et nous-mêmes tous, Véwa Creole, nous sous place, nous paré pour nous porter le baou en direct à Souéa, Jacqueline. Et Valérie Hogan, analyste qui dit que Madame Trump, Melania Trump, libriée, pas absence, pas connaissez la place à Souéa. Tout à fait. Li absente encore une fois à Souéa. Et pas seulement à Souéa. Depuis le commencement de la convention, il y a pas li. Et analyste, et observateur, ça a fait remarquer que même dans la campagne, ancien président, il n'y a pas de présence ancienne première dame. Melania Trump absente, c'est peut-être un bagage que pile monde remarqué. Il n'y a pas parlé trop de lui. Nous remarquons même à côté de Donald Trump, depuis toute l'heure que la convention a commencé, c'était soit et petit li. Et notamment hier, on parlait de petit fili, qui c'est Kai Trump qui te prend la parole. Et donc la famille Trump défilé sous le podium. Mais madame, ancienne première dame, non, li absente et observateur mentionné ça. À ce qu'elle parle là, li pas même programmé pour le parler. On se demande bien, dans la petite observateur et moun qui analyse, chercher information plus pour qu'on ait ça qui passé, ancienne première dame, non, Jacqueline. Et puis, Valério Saint-Louis, hier, c'était jour côté que vice-président et Vince Tap lui-même a fait discours d'acceptation dans un discours qui semblait tête coupée avec et classe sociale, classe moyenne. Nous parlons au jeune Valério Saint-Louis qui a dit nous plus. Dans le premier discours sous scène politique nationale, la vice-président Donald Trump, la sénateur américain J.D. Vance, te paraît un petit genre agressif.
Nous finis à question de importer main-d'œuvre étranger. Nous parlons gourmet pour citoyens américains et puis pour bon job avec bon salaire. Jedi Vance relativement pas trop connu à travers pays États-Unis. Vance était décroché un diplôme dans Yale Law School. Il était servi dans l'armée américaine pour 6 années. Il était servi dans poste électif pour à peu près 1 an et demi. Dans la troisième soirée convention républicaine, c'est madame ni Usha Vance qui était présenté. Comme moun ke choisi pour aider diriger pays nous cap traverser quelques nan pi gros défis yo, moi reconnaissant à nous toutes pour confiance que nous mettez dans lui. Mercredi soir, c'était une chance pas seulement pour Jedi Vance présenter tête li bay peuple américain en public, mais tout pour prouver qualification li sous politique étrangère li. Ensemble, nous allons assurer nous que alliés nous partager fado pour garantir la paix dans le monde. Pas bien citoyenneté encore pour nation qui trahit générosité contribuable américain. Il y a quelques délégués qui dit que manque d'expérience Vance pas trop dérangé. Walter Goodwater, c'est un délégué républicain qui sorti dans l'État Texas. Vraiment, ça n'a pas élu ici, là, c'est un potentiel leadership. Et il prouvait que il y a un potentiel leadership. Et puis, il n'y a pas un ancien grand monde rat d'Ocalé. Il y a un autre délégué qui n'a même pas de problème à critique que le fait dans le passé contre Donald Trump. Lori Schaefer, c'est un délégué républicain dans l'État Illinois. I love that he's young. Moi, j'aime que les jeunes et puis les cas adaptés et puis les embrasser l'idée de l'Amérique avant tout. Ça que moi apprécie tout. Moi, pense que en bas tutelle Donald Trump, les cas font bon vice-président. Dans une soirée convention qui était concentrée sur fait Amérique fort encore, petit garçon Donald Trump t'a résumé choix que électeur a fait face avec you. It's a choice between people who are proud of America and c'est un choix entre monde qui fier de America et monde qui honte de America. Et puis finalement, c'est un choix entre America en dernier et America en premier. Convention nationale républicaine pour le faire jeudi à souhait avec discours acceptation candidat républicain pour président Donald Trump. C'est pour la première fois que le pral parler en public depuis après tentative assassinat ça qui était faite contre lui. Pour VOA News, Catherine Gibson, adaptation créole Valerio Saint-Louis, depuis Convention nationale Parti républicain dans ville Milwaukee, État Wisconsin. Et puis toujours dans actualité électorale là ici aux États-Unis, gain président Joe Biden et ben l'a travaillé à distance après la Maison Blanche annoncé l'y contacter COVID-19. Jean-Robert Philippe dit nous annonce sa fête dans moment et ben pression a augmenté sous locataire Maison Blanche là et passer mettre là bay l'autre monde pour aller dans élection novembre Kevin là Jean-Robert Philippe. Président Joe Biden qui a résisté à appel pour l'abandonner course pour le représenter Parti démocrate là dans l'élection présidentielle novembre, mettez-le en quarantaine. Après, il a testé positif pour COVID-19 d'après annonce à Maison Blanche fait. Annonce en fait pendant président a mené campagne dans Las Vegas, Nevada, côté d'été gain pour lui rencontrer organisation Latino Unidos US pour parler sous question qui affecte eux. C'est pour cette organisation ça a été annoncé à l'Assemblée que le président pas venir encore à cause d'été c'est positif pour COVID-19. Pendant les mandats, pour me dire nous, il n'y a pas capable d'éliminer le vide comme ça. Jusqu'à ma annonce, le président a visité un restaurant mexicain pour lui saluer et puis faire quelques photos avec les clients. Après, il a participé dans la convention annuelle NAACP avec électeurs noirs. Pour qu'on y a, le président a retourné la caille dans Delaware, côté lui isolé tête. L'idée majorité dans le Sénat, Chuck Schumer, était déclaré samedi par le président pendant une rencontre que le TAP fait. L'État est plus bon pour le pays avec le Parti démocrate là s'il mettait fin dans la campagne pour l'élection. Hier mercredi, le député de l'IEM a dit joint environ 40% électeurs démocrates inscrits dit Biden doit abandonner la course pour l'élection. 65% électeurs indépendants qui inscrits d'accord avec eux. Joanna Leblanc, un spécialiste en politique affaires étrangères, exprime doute li sur qui monde qui capable représenter Parti démocrate là dans l'élection novembre. Entre la parler jeudi, nous pas même connaît sûrement qui est cap candidat pour présidentiel États-Unis pour démocrate. Nous pas connaît parce que nous voyons que gain en pile secteur, gain pile membre congrès, en pile même dit plusieurs membre congrès. Avec donneur Bessio qui a dit, qui a demandé pour Joe Biden resign, plutôt que qu'il a mis un autre candidat dans le passé.
Débat ça a fait malgré Parti démocrate a un plan pour lui nommer président officiellement dans un vote virtuel qui donc sur internet là dans commencement mois d'août là avant convention parti a cap démarrer 19 août dans Chicago. Quelques leaders dans convention nationale Parti démocrate là mandé responsable pour repousser décision pour une semaine. Pendant ça président Biden dit il pas cédé parce que il croit c'est celle lui-même qui capable battre Donald Trump dans l'élection présidentielle novembre 2024 là. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, vous toujours sur VOA Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtienne, après t'es toujours dans l'actualité électorale haïtienne aux États-Unis, côté grand pile réflexion qu'a fait sous projet 2025 que Heritage Foundation présentait en couillon deuxième révolution, révolution Sandra Lemaire. La campagne pour présidence là, ça a 8 ans de ça. Donald Trump te promet pour gérer bureaucratie Washington. If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington DC. Trump te cementé pour nettoyer qui donc éliminer tout monde qui imposé politique gouvernement doit suivre mais qui pas répondre à présidence là. Kounye a li gen un plan pour faire que 100 groupes conservateurs et d'il créer. Project 2025, projet 2025 que groupe Zèle Droite Heritage Foundation publié by instruction sur qui je peux détruire l'état administratif là. Président Heritage Foundation Kevin Roberts averti processus application ta capable tourner violent. We are in the process of the second processus deuxième révolution américaine qui va dérouler sans aucun sang pas couler si gauche là pas empêcher nous. Après commentaire piment Bouksa, Trump t'a essayé écarter le projet 2025 et puis insisté, il pas connait rien sous lui ni auteur lio. Directeur projet à Paul Dance disparaît sur réseau C-SPAN côté il pas quitté aucun doute, ses paroles avec idée Trump qui t'a inspiré projet à. He was president for 4 years, so so many of the ideas. Il était président pendant 4 ans, donc en pile dans idéo sorti dans travail original. Donc on t'a même quoi en pile bagaille lié à premier mandat Trump. VOA de Heritage Foundation you interview. Institution a dit li pa gen aucun monde qui disponible pour parler avec nous, mais li voyait par courrier électronique ou déclaration qui soulignait projet 2025 pas représenter aucun candidat. Projet 2025 cherchait éliminer frein à contrepoids moun takou James Madison, Thomas Jefferson mettait dans constitution, c'est-à-dire séparation pouvoir exécutif, législatif et judiciaire d'après Will Marshall qui c'est président Institut politique progressiste là. Madison and Jefferson ought to be spinning in their graves. Il dit Madison et Jefferson t'a dû rouler dans ton boyau aussi au cas où quantité pouvoir ils voulaient bail prochain président et si président ça c'est Donald Trump, c'est pas un cauchemar pour le pays si vous considérez que j'ai mal géré le pouvoir fois passé. Campagne réélection président Joe Biden fait projet 2025 tourner en cible principale. L'établi un site internet séparé pour critiquer et puis souligner réaction médias libéraux. Critics are calling it the fascist playbook. Les critiques auraient lu un livre de jeu fasciste. Et il a loué une raison si ce n'est pas seule raison pour aller voter en novembre. Plan largement largement mandé pour couper financement gouvernement pour énergie renouvelable et changement climatique. Yota éliminé département éducation, bureau fédéral investigation FBI t'a subi gros remaniement. Même genre agence américaine pour médias global qui gérait la voix de l'Amérique. Reportage Steve Herman, traduction Sandra Lemaire, VOA Créole. N'a quitté actualité électorale et politique là ici aux États-Unis pour aller dans international là côté et ben dans pays Kenya chef police provisoire et justifié yon interdiction contre manifestation dans capitale là Nairobi. Nous gain gentil Augustin Junior qui gain détail. Dans fin journée mercredi 17 juillet 2024 là chef police provisoire Kenya Douglas Kanja Kirocho dit que gen preuve que li ka fè confiance qui montre groupe crime organisé qui planifié pour prendre avantage dans manifestation k'ap fèt yo pour lancer attaque tankou fè piyay. Li di nan yon communiqué li pa autorisé aucune manifestation dans centre quartier commercial là dans Nairobi ak zone alentour yo
sans dit pour juste qu'il est pour assurer sécurité publique là. Malgré ça, quelques militants lancent appel pour moun rassembler ak équipement camp nan pak ou qui collé ak sant quartier business là. Nous voulons li prend responsabilité nous. Route doit aller. Ça c'est youn parce que li pa rive pren responsabilité pour nous comme peuple. En pile manifestant a mandé pour Ruto démissionner. Yo accusé li pour mauvaise gouvernance, corruption ak la mort plusieurs dizaines manifestants dans rassemblement qui était fait déjà contre gouvernement. Ruto is very much incompetent. Ruto très incompétent. Li pa gen aucune compétence dans gouverner. Li seulement vle titre président pays ça. Nèg ça, c'est un mannequin pour FMI. Quel que soit ça li fait li pour Fonds monétaire international. Li pas dirige pays ça dit tout. Manifestation yo te créé pi gros crise qui rivé dans deux premières années président William Ruto sous pouvoir et yo te continué malgré gen moins moun nan yo kounye ya. Même après président te retiré projet pour mettre 2.7 milliards dollars augmentation taxe sous pays ya et puis révoqué presque tout gouvernement lié. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, gentil. Restez branché. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous. Actualité à mener nous dans le pays d'Haïti. Côté policier Kenya yo, avec une unité spéciale dans la police nationale là, et bien yon mené opération dans le pays d'Haïti. Nous gagnons sous place Steven Aristil. Plusieurs policiers kenyans qui étaient accompagnés à quelques agents dans l'unité SWAT ont mené une opération de reconnaissance dans quelques rues qui se situent dans le centre-ville Port-au-Prince hier mercredi 17 juillet 2024. Dans le souligné pour le public, l'opération s'est lancée 24 heures après le deuxième contingent kenyan arrivé dans le pays. Nous avons remarqué plusieurs chars blindés et police kenyans ont tiré leur arrivée dans la zone rue des Kazen. Jusqu'à présent, pas eu aucun rapport ni bilan qui sortit sur l'opération. Pita na aswe, Premier ministre Gary Koni déclaré état d'urgence sécuritaire sur 14 communes dans le département l'Ouest à Katibonite qui en bas contrôle gang Axamio. Il était tout profiter occasion ça tout pour demander journalistes médias en ligne pas suivre et pas couvrir opération policière à gain pour mener contre gang yo. M'a profiter dit nous tout pendant m'a saluer gros travail journaliste surtout dans médias sociaux cap couvrir sous qui gens la police acclamé à protéger population m'a demandé yo éviter faire reportage qu'a bay bandi yo information sous position force l'audio à qui gens opération yo a déroulé quitte reportage en direct quitte li pas en direct. Merci Steven Aristil de Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Prend la parole hier soir côté l'abordé plusieurs questions notamment question sécurité et tant que nous sommes tendés là et ben il déclarer état d'urgence sécurité pour deux départements l'Ouest avec la Tibonite dans quatre décisions pour couper gang Améo. Et puis, dans le cadre de réaction sous discours ça avec décision état d'urgence ça ancien sénateur Patrice Dumont bat bravo pour décision y a un reportage Renato Toussaint depuis Port-au-Prince. État d'urgence pour le bail gouvernement outils et instruments nécessaires pour agir, couper bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Premier ministre Gary Koni n'a eu adresse à la nation dans la soirée mercredi 17 juillet 2024 là qui annonçait état d'urgence sécuritaire dans deux départements géographiques pays d'Haïti, la Tibonite et l'Ouest, et dans 14 communes région Sayo. Une démarche en termes réaction qui joint approbation ancien sénateur Patrice Dumont. Premier ministre qui parlait hier soir et gouvernement dans son entièreté, c'est en bonne mesure. Moi-même, je crois la facilité du travail et police là, que c'est au niveau de la police nationale là et au niveau Kenya. En fait, il faut nous parler d'une seule voix. Kenya, police nationale, et la Médaïti, et puis population, pour nous sortir de la situation terrible ça, que la population Haïti a hier. Mais en tant qu'ancien sénateur, Patrice Dumont, qui ça état d'urgence sécuritaire,
nous voyons que le Premier ministre Garry Conille n'a pas trop de détails sur ça. État d'urgence, c'est une décision d'État qui limitait et liberté individuelle. Ce qui est important, qui limitait certains droits compte tenu de une situation qui gagnait, qui exceptionnelle. Situation était capable, c'est un gros moment cyclone. Il était capable, c'est tremblement de terre là. Et à ce moment-là, pour être capable de rétablir l'ordre, il faut qu'il prenne des mesures exceptionnelles. État d'urgence là, c'est une mesure exceptionnelle. Il doit même arriver dans une situation d'état de siège. Parce qu'en fait, c'est dans la guerre que Gagnon mettait le pays d'Haïti. Ancien parlementaire souhaitait qu'un bon genre d'harmonisation entre 9 membres du conseil présidentiel transition et le Premier ministre Garry Conille dans la prise de décision d'État. Oui, dans tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien, toujours dans le pays d'Haïti, gagné ULCC, lui-même, Unité Lutte contre la Corruption, l'a mené enquête sur plusieurs ministres dans l'administration, ancien Premier ministre Ariel Henry, Yves Manuel. Unité Lutte contre la Corruption ouvre une enquête sur 5 ministres dans l'administration, ancien Premier ministre Ariel Henry. Information ça sorti, bon côté, une source nous capable de faire confiance, c'est ça, journal Le Nouveliste rapporté dans la date mardi 16 juillet 2024. Selon le journal, la source l'a fait connaître, ULCC a enquêté sur ancien ministre Affaires sociales, ancien ministre intérieur, concernant dossier direction immigration et émigration. Enquête la concerne tout, ministre travaux publics, transport et communication. Enquête la concerne, ministre haïtien qui vivent dans pays étranger et affaires étrangères concernant représentation dans pays étranger. Enquête la déclenché soit par signalement, soit par saisine d'office, selon ça, journal la fait connaître. Ministre affaires étrangères et culte, Dominique Dupuis, récemment mandé à ULCC pour mener une enquête sur le ministère dirigé, ministère affaires étrangères, sans compter ministère haïtien vivant à l'étranger. 24 juin 2024, qui saute par cela, Madame Dupuis écrit à directeur ULCC, M. Hans-Ludwig Joseph, côté le mandé pour ouvrir une enquête qui couvre la période octobre 2021 à juin 2024. Chef gouvernement Garry Conille récemment annoncé qu'il prend rapide une série de dispositions pour capable courir derrière phénomène corruption dans mitan administration publique là. Une décision qui fait suite à une importante rencontre qui était organisée avec experts national cadre fonction publique en matière gestion efficace et bonne gouvernance dans pays et surtout bataille contre corruption. Pour renforcement gouvernance là et transparence pendant période transition, Dr. Garry Conille fait connaître gouvernement l'a dirigé à travail sans prendre souffle pour capable montrer de plus en plus transparent et puis intégrité dans gestion affaires publiques pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. ONU Femmes publie un rapport sur situation et calamité femmes actifies qui vivent dans abri monde déplacé. Marie-Louis Pierre gagne détail. D'après un dernier rapport ONU Femmes, condition la vie tête chargée avec manque de sécurité, 300 000 femmes actives déplacées viennent plus grave à cause instabilité politique qui a continué. Violence gang qui a augmenté avec saison cyclone qui menaçait les îles Caraïbes la plus. Avec femmes actives qui représentaient 54% dans 580 000 mounes qui déplacés en dedans pays à Haïti, nouveau évaluation rapide sexe l'ONU Femmes montre qui j'en quand yo gain nécessité pour éléments de base moun utilisé et puis femmes actives toujours à vivre en bas menace violence sexuelle. Rapport qui fait dans plusieurs sites dans la capitale la Port-au-Prince qui gagne plus monde montre pi fort quand yo nan blackout. Yo pa gen toilette et moun sa yo qui nan kan sa yo a vivre chaque jour en bas menace gang armé. C'est un danger tous les jours côté balle qui prend la vie moun qui donc moun sa yo nan gros nécessité pour protection et sécurité. Agression contre femme actifi pi et spécialement viol. Ces amis ont utilisé dans Pifokanyo comme une tactique bien calculée pour contrôler les possibilités pour femmes rejoindre une assistance humanitaire qui est disponible. Sondage ça qui fait sous seulement 2% femmes rapporté yo gain you world leadership dans gestion site déplacé et li urgent pour garantir participation active femmes actifi dans prendre décision dans camp yo et puis mettre en place mesures protection immédiate pour femmes actifi qui a fait face à menace
chaque jour. Directeur exécutif l'ONU Femmes, Sima Barou, déclaré rapport nous dit nous niveau insécurité et brutalité parmi aux violences sexuelles que femme a fait face en bas mais gang armé en Haïti pas gain pareil. Li doit suspendre courrier là. Nous encourager équipe qui fait monter sous pouvoir pour prendre mesure pour faire face à violence aux femmes actives au subi et puis augmenter participation femme yo dans gestion camp yo pour qu'a coûter inquiétude yo sous sécurité yo et puis agir sous yo. Aide humanitaire doit distribuer sans danger d'après besoin différents femmes actives yo. Sondage a révélé tout, plus passé 88% dans femmes yo interviewé yo, pas gain aucun sous revenu dans camp yo. Qui donc, plus passé 10%, dit obligé la gueule dans la prostitution. Ou soit, il a envisagé faire possibilité pour faire même une fois, pour faire face à besoin, yo. Environ 16% de femmes, yo, étaient interviewées dans le cadre de son dessin, dit au senti, yo, intimidé, menacé, traumatisé, devant gang armé, violent, et 70% déclaré que yo affecté mentalement à cause violence là, qui augmentait. Seulement 10% de femmes, yo, étaient interviewées, yo, dit, yo, gain accès à soins santé, dans comme on déplace. C'était un résumé rapport nouveau évaluation rapide sexe l'ONU femme qui était réalisé grâce à un questionnaire qui a été interviewé 98 moun et fait discussion avec 140 femmes actives. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre et c'est là n'a mettez fin dans programme nan, mais nous gros programme spécial à soya dans occasion clôture Convention nationale parti républicain et Asroya, ancien président républicain Donald Trump a bien pour prendre la parole pour accepter nomination parti à fait de lui pour les aller représenter parti républicain dans l'élection qui fixée pour 5 novembre 2024 là et dans mois d'août là pour le gain et convention nationale parti démocrate là. Et nous content de ce que nous t'ai servi ou pas oublier pita à soir n'a gagné un programme spécial à partir de 8h30. Moi c'est Jacques Labelizer, on merci Franklin pour participation, Jean-Marc Hervé Abila, Sambier Hélène Bonzamino. Donc Kebela Palagé, c'était VOA Créole. Premier ministre haïtien, Dr. Gary Conny, prend un ensemble de décisions par rapport avec situation politique paysan retrouvé la donne. Et dans la décision, ça, on dit que Premier ministre, lui, eh bien, déclaré un état d'urgence sécuritaire dans 14 communes qui gagnent dans deux départements dans le pays. Département ça c'est l'Ouest et l'Antibonite. État d'urgence sécuritaire. Qui ça qui yon état d'urgence sécuritaire? Qui le yon prend yon état d'urgence sécuritaire? Qui avantage et qui attitude yon moun doué genye par rapport avec yon état d'urgence sécuritaire. Avant même nous vini sou ensemble de définition sa yo, li important pour que nous capable préciser non ensemble de communes, eh bien, état d'urgence sécuritaire la gen pouwe ensemble avec yo. Décision ça, li rentre dans cadre difficulté qui gagne dans pays sur le plan sécuritaire par rapport avec yon groupe de bande armée, yon groupe de nèg exam, mais qui bay tête yon non vivre ensemble, yon regroupé yon à travers une structure qui les vivre ensemble et vivre ensemble ça, li sorti pour capable théoriser population haïtienne. Pom dit nous que état d'urgence ça li concerné 14 communes au niveau de pays. 14 communes ça yo c'est Gressier, nous connaissons jodi an là gagné plusieurs bandes armées en dans Gressier.
Et pendant que je parle de Grecier, je dis que je dis que là, il y a une population Grecier, habitant Grecier, eh bien, ils ont été accompagnés ensemble avec la police. Gagné plusieurs unités spécialisées. Parmi eux, t'es gagné Simo, t'es gagné Monsieur Swatio, et sans oublier quelques policiers, eh bien, au niveau de administratif PNH, là, policiers administratifs, eh bien, ils ont été accompagnés ensemble avec une bonne quantité de la population qui t'es gagné manchette, bâton, roche. Yo te gen yon ensemble de matériel la men yo nan l'idée pour que yo capable déloger groupe monsieur Sayo kap bay problème nan commune nan. D'après membre nan population, eh bien monsieur Sayo mette au dehors monsieur Sayo fait yo pa ka vivre paisiblement nan commune nan. Pomme di nou que eh bien c'est pas deux soldats qui pa tombé nan kan bandi yo. Et dans une émission spéciale, n'a vini sou kokèn chaîne opération ça, mariage ça qui te gen entre population Grecier et la police, mariage qui bay résultat. Et d'après information que moi genye, eh bien, nan jou ka vini la yo, gen plusieurs autres zones qui pral essayer faire mariage ça pour que yo capable libérer par rapport avec nèg exam yo. J'aime son dit tout à l'heure. Ensemble de mesures que le Premier ministre prend, il vise 14 communes. C'est 14 communes qui, eh bien, gen pouwe ensemble avec décret urgence sécuritaire. 14 communes, ça y est, c'est commune de Grecier, commune de Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Cité Soleil, Gué Tabar, Gué Pétionville, Gué Keskoff, Gué Croix-des-Bouquets, Gué Cabaret, Gué Tomazo, Gué Tirivière-la-Tibonite, Liancourt, Verrette, Route nationale numéro 1, Gromone jusqu'à Tibois-Dôme. Tibois-Dôme, nous connaissons ces localités, eh bien, en dans Gromone, gen yon groupe nèg exam kap opéré nan localité sa. Par rapport avec yon ensemble de action malhonnête que nèg exam a commet nan peyi a, fait que eh bien premier ministre Gary Conille te obligé réuni ensemble avec équipe li à travers yon conseil de gouvernement et décision ça li sorti yon décision côté que eh bien yo décrété état d'urgence eh bien sous 14 communes que moi sorti té là kounya là gen an pil moun ki tande parler de état d'urgence sécuritaire mais yo pa konnen ki ça ki état d'urgence là. On dit que état d'urgence là c'est yon mesure que yon gouvernement prend en cas de difficulté imminent, en cas de danger imminent qui gagne dans yon pays. Gen quelques libertés fondamentales, eh bien, qui oblige suspendre tant coup liberté de circulation et liberté de la presse. Dans ensemble zone que moi cité là le fait que gouvernement décrété état d'urgence sécuritaire ça veut dire qu'on ensemble de liberté moun ça a été gagné yo pas gagné encore parce que zone ça prend sous contrôle gouvernement kounya là qui problème qui pral gagné par rapport ensemble avec état d'urgence. Pomme dit nous que état d'urgence c'est un moyen que gouvernement mettait en place pour venir en urgence avec un ensemble de problèmes parce que je dis là on d'accord que il y a un groupe de terroristes, un groupe de nèg exam eh bien qui sorti pour que capable troubler la paix publique population. Et monsieur Axam sa yo allait plus loin, yo même rivé dans phase côté que yo possédé des biens
population. Imaginez nous un groupe de monde yo prend kay yo moun te construit pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Moun nan te passé yon paquet de bonne misère, moun nan te connaît yon ensemble de péripéties pour te capable construire kay ça, mais malheureusement, gen un groupe de voyous, un groupe de terroristes, un groupe de criminels qui obligé eh bien accaparer yo de bien privé ça qui pas pour yo. Le temps que monsieur Azamio joigne trop liberté, monsieur Azamio yo vinn prend trop confiance malgré que yo annoncé et mais arrivé de yon force multinationale appui sécurité pour vinn aider la police ensemble avec l'armée bataille contre groupe terroriste ça. N'a pas rappelé que pendant plusieurs fois et bien bande de terroriste yo yo défié la police. Quelques mois avant Pom dit que monsieur Sayo yo te kon rentré dans plusieurs commissariats et sous commissariat yo mettait du feu, yo crasé et yo brisé yo pote aller ça pour yo pote aller. Monsieur pas seulement fait ça, même prison civile dans pays an, pi gros stade prison que nous gagné qui était logé des bandits notoires, des criminels, des citoyens qui représentaient un danger pour société. Eh bien, monsieur Sao, yo te transformé yo comme des véritables bourreaux, yo t'a écrasé et pas ça yo. Par rapport avec genre de action que a commettre, yo te anti gens eh bien paniqué gouvernement alors qui te gagné dans tête il ça, eh bien monsieur Ariel Henry. Pendant que Ariel Henry qui te payé là participer dans une réunion monsieur a décidé pour que Ariel Henry capable rester dehors net. C'est pendant action ça fin posé qui fait que monsieur yo commencé prendre confiance, yo commencé prendre confiance, yo commencé laguer yo dans des actions de terroristes. Côté que yo a touyé, yo a pillé, yo a brûlé, yo a fait toutes sortes de bagailles. Mais par rapport avec nouveau gouvernement qui gagne journée aujourd'hui, premier ministre alors qui c'est monsieur Gary Conille li décidé pour que li capable prendre un état d'urgence pour capable remettre pays sous pied de guerre, sous pied d'avancement. Et fòm di nou que youn nan bagay ki genye nan question état d'urgence ça c'est que genye yon ensemble de mesures population moun ki habite nan commune sa yo doit respecter. Quand il s'agit de état d'urgence, pas de question de droit de l'homme. Pas étonné yon grand matin la police ka rentre nan yon nan localité sa yo li tellement touye moun et pas de question pour droit de l'homme rele la police. Parce que au grand mot des grands remèdes. Le fait que yon groupe terroriste qui soit pour capable terroriser population, yon groupe de terroristes qui soit pour yon capable finir ensemble avec pays, le fait que yon gouvernement en place, eh bien, gouvernement li réagit à travers premier ministre qui c'est chef de gouvernement. Et c'est une raison qui fait que, eh bien, premier ministre t'es obligé planifier yon conseil de gouvernement rapide pour capable bailler une réponse ensemble avec action ça. Et comme dit nous que décision ça vini après que deuxième contingent et police kenyan rentré dans pays. Contingent rentré mardi 16 et dans mercredi 17 dans la soirée premier ministre l'a décrété eh bien, état d'urgence sécuritaire là. Kounya là, on gade ki ensemble de attitude que population dans zone sa ota doit respecter par rapport avec décision sa que gouvernement prend pour que li décrété yon état d'urgence sécuritaire sous 14 communes dans le pays. Par rapport avec décision sa forme dit que gagner interdiction de circulation moun yo
ou bien machine dans des heures déterminées. Par rapport avec pays que nous gagnons, le plus souvent, les gagnants état d'urgence, pour gagner, eh bien, question couvre-feu, état d'urgence toujours marché ensemble avec couvre-feu, mais le plus souvent, c'est 6 heures, il y a toujours bali, on dit 6 heures de la soirée. Qui donc, à partir de 6 heures, eh bien, gagner interdiction pour moun capable de circuler à pied ou bien dans véhicule. Kounyan la, ça arrive, gagner yon urgence. Yon capable gagner yon considération pour yon moun qui gagne une urgence. An di jodi a la, yon moun kwa le bouke, gagne yon femme qui enceinte, femme n'arrive nan le pou l'accoucher, c'est normal, 9h, 10h, de moun capable gagne kite kwa le bouke pour aller dans l'autre commune pour que moun sa li capable, pendant que l'gagne très cher pour l'accoucher, laisse ou ka toujours jouer avec un backup police. Et là, il y a bien considération parce que gagnons urgence. L'autre interdiction qui gagne encore, instaurer des zones de sécurité où le séjour des personnes est encadré et réglementé. Qui donc zone ça yo pour gagner sécurité en permanence, pour gagner un contrôle de temps en temps. Même qu'on parle de moun, yon pral mette des agents secrets. Yon pral mette en pile tout tête dans des zones pour capable contrôler quelques bagay. Parce que jodi an la, bagay la vraiment compliqué. C'est pas pour 100 raisons qui fait que premier ministre la, li prend décision ça pour le décréter yon état d'urgence, eh bien, sous 14 communes dans le pays. Même que yon moun qui critique attitude premier ministre nan question état d'urgence ça parce que premier ministre li ba yon attitude li pa ba yon attitude de chef li pa montre que décision li prend avec fermeté ou pas trop que son chef qui t'a parlé yon pile l'autre moun qui dit tout c'est comportement premier ministre mais le fait que li son moun qui docile ou pas ka mandel pour le mettre plus vivacité nan décision que le prend. Et forme, dis-nous que depuis après, eh bien, décret ça, li sorti, premier ministre, li fait déclaration, gagné plusieurs nan chefs de gang yo, qui yo même, eh bien, commencé à préparer yo façon yo capable. En pile moun te capable garder nan yon vidéo qui très viral sur les réseaux sociaux, côté que l'an mois sans jour, mette yon ensemble de zam que li a peine acheté, l'ap vann yo, l'ap pale de yo, l'ap fè jolè, l'ap montre, eh bien, comment que li commence renforce l. Ça montre que bagay la li pap piti. Et avant même décision ça, genye chef gang, et pot parole vivant ensemble nan, n'a parlé de Jimmy Cherizier barbecue, qui li même c'est dit que, eh bien, si toutefois la police pense que yon pral faire des opérations musclées, yon pral utiliser l'autre moun nan opération yon, eh bien, capable de gagner yon bain de sang. Yon capable responsable, droit de l'homme international capable de juger yon. Est-ce que c'est par rapport avec déclaration Jimmy Cherizier barbecue qui fait que premier ministre Gary Conille obligé mettez pays sous état d'urgence sécuritaire. L'autre décision encore, l'autre bagaille pour éviter fait en cas de état d'urgence depuis jodi an, eh bien, depuis gen état d'urgence, gen interdiction pour moun nan capable rete, eh bien, dans un département. Et côté que gagne moun qui menace, qui entrave par pouvoir public là. Qui donc? Moun 14 communes sa yo. Moun Port-au-Prince, moun Delma, moun Kouadebouke, moun Fermat, non Fermat pas dans zone nan, moun Carrefour, moun Gressier,
moun Kesko, moun Kabare, moun Tomazo, moun Tirivier la Tibonite. Moi même yo même depuis kounya façon qui gen moyen qui gen yon, moi encourager yo pour yo capable commencer quitter zone là. Parce que à n'importe quel moment capable gen yon éclatement, à n'importe quel moment capable gen yon lobo dans zone là et soit d'ailleurs ou victime si toutefois ou pas gang. Et pour dit tout sorti yo pas aussi facile parce que l'état des yeux dans pays sérieux, l'état des yeux sous déplacement yo, l'état des yeux sous rentrée sorti moun yo à travers zone yo. Qui donc li vraiment important pour que moun qui habite dans zone sa yo capable quitter zone yo. Mais kounya question ka pose, est-ce que yo capable quitter zone là par rapport avec yo ensemble des formations qui t'a véhiculé comme quoi gagne réunion qui t'a fait entre monsieur vivant ensemble pour que yo empêcher moun yo quitter eh bien zone yo parce que yo pral faire moun yo servi de bouclier. Et gagne information qui t'a même vini comme quoi gagne des zones yo passer l'ordre formel ensemble avec soldats, n'importe moun qui t'a vle quitter zone, n'importe moun qui a surprend à quitter zone avec valise, avec mallette dans main, pas gen ni deux ni trois bagaille, bay bal nan tête. Hey! Et fòm di nou tout, gen des zones côté que c'est quatre dermalog moun yo kembe. Hey! Pas comme ça. Gagner plusieurs zones côté qui gagne foyer de gang côté gagne nèg exam côté gagne petit monsieur vivant ensemble yo eh bien monsieur yo kembe quatre dermalog yo ça nous rele quatre électoral là yo kembe quatre là pour éviter moun nan sorti parce que yo connaît automatiquement ou sorti ou pas gagne pièce pour identifier pendant ou sorti si la police mande identifier ou pas ka identifier ou prendre bois calé. Parce que jodi la, gouvernement décide, c'est raceta, question vivre ensemble, faut que vous mettez fin ensemble avec lui, n'importe moyen, n'importe façon, faut que vous mettez fin ensemble avec, vivre ensemble, yo, parce que vous faites trois crimes dans le pays. Kounya la, est-ce que l'état d'urgence sécuritaire ça, capable de forcer monsieur, yo, livrer tête yo by la police? La poser question. Est-ce que monsieur pral d'accord pour que yo remette zam et puis pour yo di pas de problème moi pote tête moi bay la police par rapport avec sta moi capitaine moi là. Mais non yo pas prêt à ça. Yo pas prêt à ça parce que automatiquement pour premier ministre Gariponi fin faire sortir pour le décréter état d'urgence sécuritaire là automatiquement monsieur planifie une réunion dans la soirée un petit peu plus tard eh bien pas à travers eh bien conférence. Moi toujours dit nous ça que Jimmy Cherizier barbecue c'est un véritable stratège. Pas oublier Jimmy Cherizier c'est un monde qui fait plusieurs années au sein de l'institution policière, il était yon, eh bien, yon police. Il était yon chef. Qui donc, gen ensemble de bagay, li connaît dans la police là. Pas oublier la police a gen code li, la police a gen code déontologie, la police a gen code communication. Parce que je dis là, si deux policiers croisés, yo gen les bagages, yo gen code yo utilisé, eh bien, parmi les 26 lettres de l'alphabet, yo gen les codes de A à Z. Yo utilisé. Automatiquement, moi joint yon policier, m'dil, Charlie, comment quoi là? Ou en forme, la gete ouais que soit m'se policier, ou bien m'te passé dans l'institution, ou bien m'pren formation en institution. C'est un exemple, moi, non. Le souvent, nous toujours t'as parlé de papa, mais c'est pas papa petit. Son l'autre code qui gagne dans la police. Mais il y a d'autres codes dans la police. Parce que c'est de A à Z. Kounya la, en tant que policier, est-ce que Jimmy Cherizier pas
mettre bail monsieur yo yo ensemble de tactiques qui ça qui a gagné par rapport ensemble avec eh bien état d'urgence qui décrété là sous 14 communes dans pays sous deux départements dans pays l'ouest et l'antibonite. Peut-être li ka bay li. Peut-être li ka partage l, mais pour autant, bon me rappeler nous que jodi an la sécurité paysan.